go along with this, cooperate with this. We'll be as nice as we can to you within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down, rape you, shoot you, and bury you. So, my lady, time's up. Make your choice. Bien que les histoires de serial killers soient nombreuses, l'horreur de leurs actes n'est que rarement capturée en vidéo. L'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un monstre qui a transformé son obsession pour la photographie et l'image en général en une œuvre macabre. Découvrons ensemble l'abominable histoire des cassettes VHS de Leonard Lake. Good evening. It's a Sunday in October, 22nd, 23rd, something like that, very close to my 38th birthday. And I'm starting this tape without script or without any real organization of what I want to say. But I do feel a need to explain. What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. Slave, there's no way around it. Leonard Lake est né en Californie, à San Francisco, en 1945. À peine âgé de 6 ans, ses parents se séparent et il est contraint de partir vivre avec ses sœurs chez sa grand-mère. Lake était décrit comme un garçon intelligent, mais dès ses jeunes années, certains signes avant-coureurs d'un comportement déviant se manifestaient déjà. Lake avait en effet pour habitude de photographier ses sœurs nues. Apparemment, sa grand-mère ne faisait rien pour l'en dissuader et l'encourageait même. Si à cette époque-là, Lake n'avait jamais été diagnostiqué comme souffrant de troubles psychiques, il était à peu près certain qu'il allait mal tourner. Très mal tourner. Car oui, le jeune Leonard Lake ne se contentait pas de prendre sa sœur nue en photo. Le jeune Leonard la forçait également à avoir des relations sexuelles avec lui et collectionnait les souris qu'il trempait, puis dissolvait dans des produits chimiques. À ce stade, il était déjà possible d'entendre le tintement des premières sonnettes d'alarme concernant la santé mentale de Leonard Lake. Malheureusement, ces signaux n'ont pas été détectés, et la grand-mère du jeune Leonard, en l'encourageant dans ce type d'activité, laissera se développer, loin des regards, un véritable monstre. Leonard Lake est sorti du lycée en 1964 et s'est engagé la même année au sein de l'armée américaine. Durant sa période passée au Vietnam, au poste de technicien de radar militaire, un trouble de la personnalité schizoïde est diagnostiqué à Lake. Le trouble de la personnalité schizoïde est un trouble de la personnalité caractérisé par un manque d'intérêt pour les relations sociales. L'individu éprouve des difficultés à nouer des liens sociaux. Ses loisirs, son activité professionnelle sont solitaires et indépendants. Il n'est en apparence pas touché par les marques de sympathie ou d'affection et n'exprime pas ses émotions, d'où une image de froideur et d'apathie. Beaucoup de personnes souffrant de ce trouble ne sont jamais diagnostiquées, car dans certains cas les plus graves, elles demeurent persuadées qu'il n'y a rien d'anormal à leur comportement. Naturellement, les personnes souffrant d'un tel trouble ne sont pas dangereuses. Il n'y a d'ailleurs aucun lien direct scientifique ou statistique qui tendrait à prouver qu'il existe une corrélation entre un trouble de la personnalité schizoïde et un comportement violent. Leonard Lake était un individu dépravé, à la marge,
et élevé par une femme qui faisait tout pour rendre floue dans son esprit la frontière entre le bien et le mal. C'est sur ce terreau nauséabond que s'ancrait son trouble schizoïde. Cette pathologie n'a fait qu'exacerber la déviance de Leonard Lake, mais à aucun moment elle n'en fut la cause. Après une dépression nerveuse au Vietnam, il entreprit une psychothérapie et fut évincé de l'armée pour des raisons médicales en 1971. Suite à son départ de l'armée, Leonard emménagea à San José afin de prendre un peu de recul sur sa vie et de préparer sa reconversion. Au cours de cette période, Leonard s'est beaucoup cherché. Il essaya l'université mais arrêta au bout d'un semestre après avoir intégré une communauté hippie à San Francisco. À partir de ce moment-là, Leonard enchaîna les expériences. Hippie, acteur porno amateur, homme marié, puis divorcé. Son divorce sera d'ailleurs la première page du dernier chapitre de sa vie, résolument plus sombre que les précédents. Leonard Lake emménagea dans un ranch à Greenfield, au nord de la Californie. C'est là-bas qu'il rencontrera la personne qui deviendra sa femme, Clara Lynn Ballas. Leonard était alors un homme comblé. Sa nouvelle épouse acceptait de le suivre dans ses fantasmes et tourna même dans une de ses vidéos pornographiques. En 1981, Leonard Lake prit le parti d'élargir son cercle social. Par le biais d'une publicité trouvée dans un magazine militaire, Leonard Lake rencontre sa réelle moitié, en la personne de Charles Eng, lui aussi ancien militaire. Si Clara Lynn Ballas était la femme de Leonard Lake, Charles Eng était sa réelle âme sœur. Ensemble, ils deviendront un des duos de tueurs les plus sadiques de l'histoire. En 1984, Lake proposa à Eng d'emménager dans la petite maison dans la campagne californienne que louait sa femme. Lake ne tarda pas à montrer à son nouvel ami le donjon qu'il avait construit près de la petite maison. La police ne l'apprendra que bien plus tard. Mais à cette époque, Leonard Lake avait déjà tué un nombre considérable d'individus dans ce donjon. L'emménagement de Hank chez Leonard sera le point de départ d'une série d'enlèvements, de tortures, de viols, de meurtres qui durera plus d'une année entière. Mais l'horreur de ce duo provient également du fétichisme macabre de Leonard Lake pour la captation d'images. Sa passion de prendre en photo sa propre sœur nue ou bien de tourner dans des films pornographiques va se muer en quelque chose de bien plus funeste. Car en effet, la simple commission de ces actes de torture ou de ces meurtres ne suffisait pas à Leonard. Il avait besoin de filmer ses proies et d'empiler les cassettes VHS afin de recenser toutes ses conversations avec ses victimes. Et parfois bien pire. D'ailleurs, le prochain extrait risque d'être particulièrement choquant. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down, rape you, shoot you and bury you. So my lady, time's up. Make your choice. Cette femme est Kathleen Allen, une des victimes de ce duo meurtrier. Son petit ami était un homme nommé Michael Carroll, qui avait été le compagnon de cellule de Charles Hang lors d'une de ses précédentes incarcérations. Le 12 avril 1995, Michael était porté disparu. Sa petite amie Kathleen commençait alors à s'inquiéter. Les jours passaient et l'inquiétude de Kathleen était grandissante. Au bout de quelques jours, elle recevait un appel, venu d'un numéro anonyme, l'informant que Michael avait été blessé par balle. Elle montait alors immédiatement dans sa voiture afin de porter secours à Michael à l'endroit que lui avait mentionné la source anonyme. Quelques heures après cet appel, Kathleen se retrouvait sur les lieux de sa propre exécution, une caméra braquée sur elle. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice. Unless you've got death wish. If it ever arises again, if there's any circumstance whatsoever that leads me to think that you're even attempting to make noise, it's immaterial as to whether I hear you or anyone else hears you.
you'll be whipped very severely. And tell me you understand. I understand. I'm having a little war within myself between what I want to do and what we might call is the decent thing to do. And for the moment, the decent thing to do is win. So, rest. You let us know? Probably not. But why are you doing this? Because we hate you. Cette victime est Brenda O'Connor. Elle était la voisine de Leonard Lake. Brenda, ainsi que son mari et son fils, ont été enlevés chez eux et amenés de force dans le donjon. Lake et Hang ont rapidement fait disparaître le mari de Brenda et leur enfant. Brenda, elle, fut épargnée et séquestrée dans le donjon. Your baby is gonna be taken away. Excuse me. There's a family down in Fresno that doesn't have a baby. You're not taking my baby. Then the baby's dead, right? I mean, they got one now. That's my baby. Brenda, you have a... Her baby is sound asleep, like a rock. We don't like you. Would you like me to put it in writing? It's done. Just take it, whatever we tell you. I thought it was in a light or something. Well, if you can pass out, we won't wake you up. Brenda, I have a lot of animosity against you, and I would just as soon start you out with a nice firm whipping right now to make you believe how serious we are. Le 2 juin 1985, Charles Hang tentait de dérober du matériel dans un magasin d'électronique, vraisemblablement pour pouvoir continuer à filmer leurs victimes. Cette tentative de vol échoué lui permettra tout de même de fuir du magasin avant que la police n'arrive. Quelques jours plus tard, Leonard Lake lui-même se rendra dans le même magasin afin d'acheter le matériel, mais la police l'attendait, car ce dernier était suivi depuis quelques jours déjà par les autorités qui soupçonnaient déjà ce duo infernal. Lors de son interpellation, Leonard Lake présenta un permis de conduire à la police. Cependant, le permis n'était pas au nom de Leonard, mais à celui d'un homme qui avait été déclaré disparu quelques semaines auparavant. Après une fouille de son véhicule, Leonard était arrêté après qu'un pistolet équipé d'un silencieux ait été retrouvé dans sa voiture. Si le port d'armes est quasiment culturel dans certaines zones des États-Unis, les silencieux sont quant à eux bien souvent illégaux. Durant sa garde à vue, Leonard Lake a choisi la facilité. Leonard avait sur lui une capsule de cyanure qu'il avala aussitôt. 4 jours plus tard, Leonard Lake était décédé. Après quelques recherches, les policiers californiens localisèrent la petite maison dans laquelle Lake et Hang vivaient. Les enquêteurs découvraient alors l'existence du donjon. Mais ce n'est pas tout. Des fouilles ont été réalisées sur la propriété et les découvertes de la police scientifique ont été quelque peu atroces. De très nombreux restes d'humains ont été exhumés, tout comme une carte faite à la main qui indiquait où étaient enterrés les autres corps. Parmi les dépouilles, les enquêteurs trouvèrent toute une collection de papiers d'identité et d'effets personnels, laissant penser que Leonard Lake et Charles Hang auraient tué 25 personnes. Naturellement, la police californienne ne tarda pas à également découvrir la collection de cassettes VHS de ce triste duo. En analysant ces cassettes, les enquêteurs ont été confrontés à des dizaines d'heures de torture, d'interrogatoires macabres des victimes. Vous vous demandez certainement ce qu'il est advenu de Charles Hang. Eh bien, ce dernier avait déjà fui lorsque la police s'était rendue sur les lieux. Un peu plus tard cette même année, Charles Hang était arrêté au Canada après avoir tiré sur un vigile après avoir de nouveau volé dans un magasin. Les autorités américaines savaient alors où se cachait Charles Hang. En 1991, Charles Hang était extradé aux États-Unis pour y être jugé. Pendant de nombreuses années, Charles Hang a tout fait pour repousser au maximum la date fatidique de son procès, notamment en renvoyant ses avocats, demandant à être jugé dans un autre état ou encore en tentant d'assurer lui-même sa défense. En 1999, le procès commençait enfin. The defense in this case is really simple. And that is that Leonard Lake had a motive for murder.
And that motive was grounded in a deep-seated hatred of women. Concernant Charles Heng, sa ligne de défense est restée la suivante. Il était certes présent sur les scènes de crime, mais il n'a jamais tué qui que ce soit. Il n'était, d'après lui, qu'un simple caméraman. Naturellement, les nombreuses vidéos retrouvées autour du donjon ont bien prouvé que Charles Heng démontrait un réel plaisir sadique à voir ses femmes bâillonnées et mutilées. Le jury chargé de juger Heng n'a d'ailleurs pas hésité à le déclarer lourdement coupable. We, the jury in the above entitled case, find the defendant, Charles Chitat Ng, guilty of the murder of Harvey Dubbs, as charged in count 3. We further find the murder to be of the first degree. We, the jury in the above entitled case, find the defendant, Charles Chitat Ng, guilty of the murder of Michael Carroll. À la fin du procès, Ng était reconnu coupable du meurtre de 6 hommes. 3 femmes et 2 nourrissons, et fut condamné à la peine capitale. D'ailleurs, lors du délibéré, il est possible d'entendre des gens en fond se réjouir d'une telle condamnation. That you shall be punished by death. Said penalty to be inflicted within the walls of the California State Prison at San Quentin, California, in the manner prescribed by law. Après presque 10 ans de démêlés judiciaires, Charles Heng était finalement condamné à mort, permettant ainsi aux proches des victimes de pouvoir, enfin, faire leur deuil. Aujourd'hui, Charles Heng est toujours dans le couloir de la mort de la prison de San Quentin. Aucune date n'est prévue pour son exécution. Car si la peine de mort est bien prévue par les lois californiennes, le gouverneur de cet état s'oppose à ce que cette règle soit appliquée depuis 2006. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.